Le 23 décembre 1995, dans une forêt du Vercors, les gendarmes font face à l'horreur. 16 cadavres sont retrouvés, en partie carbonisés. C'est une vision d'enfer, 16 victimes qui sont pour la plupart disposées en cercle, comme des rayons d'une bicyclette. Parmi elles, on retrouve Edith et Patrick Vuarnet, la femme et le fils du célèbre skieur alpin Jean Vuarnet, fondateur de la station Avoriaz. Et les enquêteurs comprennent rapidement que ces victimes ont toutes un point commun. Elles font partie d'une secte, l'ordre du Temple solaire. À sa tête, deux gourous, Luc Jouret et Joe Dimambro. C'est une secte qui prône un autre monde envisageable. C'est la fin du monde dans lequel nous vivons maintenant, parce que malheureusement, il est dans un très mauvais état. Elle prône à ses adeptes que, grâce à leur appartenance à cette secte, eux ne vont pas mourir. Eux vont réussir à vivre dans un monde parallèle, même dans une planète qu'on appellerait Sirius. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire aux adeptes « on va prendre une fusée et s'envoler vers une étoile nouvelle ». Non, non. On va se suicider collectivement, être carbonisé dans la foulée pour qu'il ne reste rien du corps de chair, afin que notre esprit libéré, pur, purifié, puisse transiter vers l'au-delà. Un projet terrifiant qui a déjà défrayé la chronique au Canada et en Suisse, où 53 personnes ont péri dans les mêmes circonstances. Et si, pour les enquêteurs, la thèse du suicide collectif se confirme, pour Jean Vuarnet et son fils Alain, des doutes s'installent. Pour Alain Vuarnet, il y a quelque chose de plus grave qui se cache derrière ce suicide dans la forêt. Lui est persuadé qu'on ne lui a pas dit la vérité. Il va donc rentrer dans un combat pour faire éclater la vérité, sa vérité. Commence alors pour cette famille une bataille hors norme pour faire la lumière sur cette sombre affaire qui a fait 74 victimes en 3 ans. Il y a une théorie qui se met en place, c'est... est-ce qu'il n'y aurait pas des barbouzes qui seraient venus tuer ces membres de l'OTS à l'aide de lance-flammes? Voilà, c'est la théorie qui est imaginée. Donc là, on n'est plus dans le suicide, mais on est dans l'assassinat. Alors, suicide collectif ou assassinat commandité? Découvrez les dessous de l'une des sectes les plus dangereuses au monde. Le 23 décembre 1995, on est en plein cœur du Vercors, dans une forêt épaisse. Il fait extrêmement froid, il faut imaginer les températures à ce moment-là. Il y a un chasseur qui a appelé la gendarmerie. Le chasseur est intrigué par une odeur de chair carbonisée. C'est le début du week-end, les fêtes de Noël sont proches. C'est tôt dans la matinée. Nous nous rendons sur les lieux de cet endroit appelé le puits de l'enfer ou le trou de l'enfer. Et ils vont tomber sur une situation absolument macabre qui restera à vie dans leur mémoire. Ils vont découvrir l'horreur. Ils vont tomber sur un charnier humain. Certains cadavres portaient sur le visage un sac en plastique noir, comme une espèce de cagoule. C'est une vision d'enfer, 16 victimes qui sont pour la plupart disposées en cercle comme des rayons d'une bicyclette. 16 morts, c'est quand même pas tous les jours qu'on découvre 16 morts. Les gendarmes n'ont jamais vu ça. On voit très rapidement qu'il s'agit des gens qui ont été signalés comme étant disparus, qui ont été signalés comme appartenant à ce qu'on appelle l'ordre du Temple solaire, qui avait défrayé la chronique au mois d'octobre 1994 à Chéry et à Salvan en Suisse, au Canada également. Parmi les victimes du Vercors, on trouve Edith Vuarnet et son plus jeune fils. Ce sont des membres d'une famille assez connue, parce que Jean Vuarnet, le papa, est un skieur alpin professionnel.
Vuarnet, c'est le nom qui, lors de ce massacre, ressort et éblouit presque tout le monde, parce qu'on se demande bien comment des personnes de ce rang, des personnes aussi connues, qu'est-ce qu'elles font dans cette histoire ? On dit, ben voilà, on a une affaire compliquée, hors norme. Et le gros travail, ça va être dans un premier temps de comprendre ce qui s'est passé avec le plus de finesse possible. Quel est le secret de cette secte du Temple solaire et pourquoi ses adeptes sont-ils décédés de cette façon atroce ? Ce massacre très vite fait la une des journaux et une enquête exceptionnelle va s'ouvrir pour découvrir qui se cache derrière cet horrible massacre. Dans les Alpes, à la fin des années 50, Jean et Edith Vuarnet forment le couple de champions le plus en vue du ski français. Jean Vuarnet est quelqu'un de brillant, qui réussit. C'est d'abord un grand sportif. C'est d'abord un champion de descente. Edith était charmante. Très vive, très intéressante. Puis elle skiait merveilleusement. Il se marie à Saint-Gervais et c'est le mariage du champion et de la championne de ski. Ça, c'est presque un couple de cinéma. Ils sont tellement beaux tous les deux. Le couple parcourt les pistes du monde entier. Et en 1960, c'est la consécration pour Jean Vuarnet aux Jeux Olympiques de Squaw Valley, aux États-Unis. Jean Vuarnet va remporter la médaille d'or des Jeux Olympiques en descente. Il va devenir célèbre parce qu'il a en quelque sorte inventé une position, celle du touchous. C'est un champion qui fait briller la France. Il est médaillé d'or olympique, il est beau, il est élégant, il a la classe, il est toujours bronzé. C'est une espèce de playboy comme ça qui est sur les pistes. Donc ça, effectivement, Jean Vuarnet, tout de suite, ça va être une star des magazines. Mais Vuarnet, ça ne s'arrête pas là. Et touche à tout et est intéressé par plein de choses. Il était effectivement assez incroyable sur le plan donc niveau intellectuel. Il va monter sa entreprise avec son propre nom. C'est un vrai businessman. Le champion surfe sur sa notoriété et propose au grand public sa propre collection de lunettes. Il est à ce moment charnière, voilà, on va le dire très simplement, de la naissance de la société de consommation, de la publicité, du marketing. Et lui, il fait ça autour des lunettes. Avec ce slogan, il se Vuarnet day to day. C'est la réussite française, Cocorico. Ce sont des lunettes que tout le monde s'arrache. Les lunettes Vuarnet, elles sont portées par Romy Schneider et Alain Delon dans le film La Piscine, qui arrive à transformer en or et à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent autour de cette marque. En ce début des années 60, tout sourit au couple Vuarnet. De leur amour vont naître trois fils entre 1962 et 1968, Alain, Pierre et Patrick. La famille Vuarnet, c'est une espèce de tribu qui fait rêver tout le monde. Pour les enfants, la vie était facile. Voilà. On était nés Vuarnet, on était dans le clan Vuarnet. On avait un avenir un peu tracé. D'autant qu'en 1966, Jean Vuarnet, devenu un véritable homme d'affaires, va se lancer dans un vaste projet. Il avait comme idée de faire effectivement une station à Morzine, et il connaissait très bien les lieux. Et il y avait un plateau, ça s'appelait, c'était le plateau d'Avoriaz. Donc il va en faire
une espèce de paradis du ski et aussi du luxe, parce que voilà, c'est une très belle station qui va sortir de terre, avec des chalets magnifiques. Dans les années 90, l'entreprise Vuarnet se développe dans plusieurs secteurs. La famille décide alors de se domicilier de l'autre côté de la frontière, en Suisse. L'entreprise Vuarnet, c'est devenu un fleuron de la petite industrie française, avec des vêtements, avec des produits dédiés, avec de l'équipement de ski. Toute la famille, effectivement, travaille dans l'entreprise, de près ou de loin. Voilà, et toute la famille vit très bien. Tout va bien chez les Vuarnet, tout le monde s'entend bien. On a une belle maison, on a des belles voitures, on aime la vie, on aime la nature, on aime se balader. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Rien, tout va bien chez les Vuarnet. Et pourtant, en ce début d'octobre 1994, alors que la famille séjourne dans sa maison suisse, un premier événement va faire vaciller le clan Vuarnet. Le 6 octobre 1994, les journaux s'ouvrent avec une information macabre. Vision d'apocalypse pour un double scénario macabre ici à Chéry, un village de Suisse romande. 23 cadavres reposent côte à côte. À plusieurs dizaines de kilomètres, dans un autre village, à Granges-sur-Salvant, les secours ont découvert le même carnage. La famille Vuarnet, ils sont devant leur télé, tous ensemble. Il y a Jean, Edith et leurs trois garçons. Ils découvrent tous ensemble cette information. 25 autres victimes, dont plusieurs enfants. Deux chalets en Suisse, à Salvant et à Chéry, des petits villages de 300 âmes à peine, ont été entièrement détruits. Et à l'intérieur de ces chalets, on a découvert des corps calcinés avec des sacs plastiques sur la tête. Le premier charnier, il y a 25 morts, et le deuxième charnier, il y a 23 morts. Certains cadavres retrouvés sont habillés de capes dorées, de capes blanches, avec des croix. Les corps sont brûlés, il y a eu une crémation. On repérera plus tard que certains ont reçu une balle dans la tête. Et là, on se rend compte qu'il y a une dimension autre qu'un simple suicide, et qu'on est en face de quelque chose de religieux, de mystique, d'ésotérique, et qui relève d'une secte. Ça, ce sont les premières constatations. C'est quelque chose qui s'est encore jamais vu en Europe. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Mais l'enquête suisse va rapidement se retrouver mêlée à une autre enquête en cours, à des milliers de kilomètres, au Canada. Les enquêteurs qui arrivent sur place vont faire le lien avec un autre massacre qui a eu lieu quelques jours plus tôt à Moraines, au Canada. C'est une petite ville du Canada, pas très loin de Montréal, où là, il y a 5 personnes qui ont péri dans les mêmes conditions. Les policiers de la scène de crime, après avoir terminé leur travail au niveau de l'incendie, se sont dirigés vers le rez-de-chaussée de cet immeuble-là. Et dans un placard, en fin de compte, très bien dissimulé, on retrouvait le corps de deux personnes, deux adultes, un homme et une femme, qui portaient des traces de violence. Il y a eu 5 personnes de tuées, dont un bébé atreusement mutilé. On lui avait même mis un pieu dans le cœur. Les enquêteurs comprennent assez vite que les personnes qui sont mortes dans les chalets à Salvant, à Chéry et à Moraines ont un point commun. Ils font tous partie d'une secte. L'ordre du Temple solaire. C'est une secte qui va apparaître à ce moment-là. En réalité, elle existe depuis de nombreuses années, mais elle n'avait pas fait beaucoup de bruit. Ce suicide collectif, clairement, va mettre en lumière cette secte. Et un détail va retenir l'attention des Vuarnet. Car les massacres en Suisse ont eu lieu à seulement quelques kilomètres de chez eux. Le fils Vuarnet avait une amie qui habitait dans ce chalet et il s'avère que la famille Vuarnet s'y est rendue pour dîner dans le cadre d'un dîner amical. Il y a une espèce de
de climat bizarre qui commence à s'installer. On ne comprend pas ce qui a pu d'ailleurs arriver à des gens qu'on connaît, des Suisses qu'on connaît, qui étaient là, des gens qui sont tout à fait normaux, qui ont les pieds sur terre, on pourrait dire, et qui d'un seul coup ont disparu dans cette aventure. Donc effectivement, ça commence à les toucher à ce moment-là, les Beauharnais. Au total, 53 personnes ont péri dans les massacres canadiens et suisses. Et quelques jours plus tard, de mystérieuses lettres posthumes arrivent chez les familles des victimes, ainsi qu'au sommet de l'État français. Alors les lettres ont été postées le 5 octobre. Des lettres ont été adressées à un certain nombre d'adeptes, d'autres à un certain nombre d'hommes politiques. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui était Charles Pasqua, qui a été gratifié d'une lettre personnalisée, très cher Charlie, tentant d'expliquer ce qui s'était passé, si c'est explicable. Chez les Beauharnais, le choc est total. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'affaire du Temple solaire va complètement bouleverser leur vie. Au mois d'octobre, quelques semaines donc après les massacres en Suisse, Jean Beauharnais est dans sa maison. Il voit deux hommes qui sont dans le jardin. Alors évidemment, on pense tout de suite soit à des intrus ou des curieux. Ce sont deux journalistes qui veulent parler à Patrick Beauharnais. Et alors, on pose la question, pourquoi voulez-vous parler à Patrick? Eh bien, parce qu'il sait des choses, ou en tout cas, il connaît l'histoire des massacres en Suisse. On aimerait lui poser des questions. La famille Beauharnais donc va prévenir Patrick pour qu'il vienne immédiatement pour s'expliquer sur cette histoire. En quoi Patrick est-il lié à la secte du Temple solaire? Ils ne le comprennent vraiment pas. La vie de la famille Beauharnais va basculer dans un drame sans précédent à la suite des révélations de ces deux journalistes. À Morzine, Patrick Beauharnais est attendu par sa famille et par deux journalistes qui enquêtent sur les massacres survenus quelques semaines plus tôt en Suisse. Patrick Beauharnais est en Suisse, il revient tout de suite au chalet. Et là commence le jeu des questions et des réponses avec ces journalistes. Et ce sont des questions assez précises sur le fonctionnement de la fameuse secte de l'ordre du Temple solaire. Et là, oui, il dit oui, je connais tout ça, je connais ce système, voilà comment ça se passe. La secte de l'ordre du Temple solaire, elle est dirigée par deux personnes. Luc Jouret, qui est un médecin homéopathe et qui a développé énormément de théories autour des médecines parallèles, et également Jody Mombro. Jody Mombro, c'est un petit peu le personnage, moi je trouve, le plus mystérieux de l'affaire de l'ordre du Temple solaire, parce que il a l'air ridicule. C'est un individu qui présente mal, il a une moumoute, il est petit, il est bedonnant. Il n'a pas un physique très avenant. Bon, le physique n'est pas tout, si vous voulez, mais il a l'air quand même, y compris ses vêtements, ridicule. Pas crédible du tout. Et en réalité, il est l'âme de l'ordre du Temple solaire. C'est un ancien bijoutier qui habitait en France. Et puis surtout, sa vraie passion, c'est pas la bijouterie. Sa vraie passion à lui, c'est l'ésotérisme. Donc il va gravir un petit peu dans des sociétés secrètes. Il fait pas mal de séances de spiritisme. Il fait un petit peu de bouddhisme. Il rejoint un temps la franc-maçonnerie. C'est un peu un touche-à-tout de l'ésotérisme et des sociétés secrètes. En réalité, son rêve à lui, c'est devenir gourou. Depuis le départ, il sait que voilà, son destin, il est là, c'est d'être gourou. Mais on ne peut pas être gourou seul. Pour être gourou, il faut avoir des adeptes. Et pour avoir des adeptes, il faut pouvoir les attirer. Il a besoin d'un orateur, parce que lui, il n'est pas un grand orateur. Et puis,
il s'avère qu'il va assister, lui, à une conférence animée par le médecin Luc Jouret. Et lui, comme les autres, va se dire « mais ce gars-là, il est exceptionnel ». Il arrive à attirer de nombreuses personnes dans ses filets. C'est un conteur, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances et qui explique le sens de la vie, tout ce genre de choses. Ce qui le rend immédiatement non seulement sympathique, mais aussi très attirant, très rassembleur. Et de ce combat, de cette opposition de deux forces vitales, naît ma propre vitalité. C'est-à-dire que je redeviens vitalisé par un jeu d'opposition de forces vitales en tant que telles. Donc on a envie de partager davantage avec lui parce qu'il a beaucoup à apporter aux autres. À la fin d'une conférence, Johnny Mambro, il va voir Luc Jouret. Voilà, il s'avère que très rapidement, ils ont des points de convergence. Et ensemble, ils vont décider de monter la secte de l'Ordre du Temple Solaire. C'est ainsi qu'en 1984, Luc Jouret et Johnny Mambro vont créer une nouvelle structure, l'Ordre du Temple Solaire. La secte de l'Ordre du Temple Solaire, finalement, elle ressemble un peu aux autres sectes de cette même époque. C'est-à-dire que c'est une secte qui prône un autre monde envisageable. Le pitch de l'OTS, c'est de brosser un tableau apocalyptique des années qui viennent. C'est la fin du monde dans lequel nous vivons maintenant, parce que malheureusement, il est dans un très mauvais état. Car la société consumériste dans laquelle on le vit ne peut plus fonctionner. Lui, ce qu'il propose, c'est un monde plus sain, avec des valeurs. Donc, il imagine un concept dans lequel les adeptes vivraient tous ensemble, dans une grande maison, basée sur des valeurs saines. Mais dans les premiers pas au sein de l'OTS, on brosse un portrait idyllique de la secte et de la vie. On magnifie la vie. On mange bio, on cultive son jardin, on nettoie les légumes. On a des activités collectives sympathiques, faites de fraternité humaine. On promeut la vie dans la nature, on exalte la vie. On vous parle de la lumière, du soleil, etc. Temple solaire. Mais cette promesse d'une vie plus saine et d'un avenir plus radieux a un coût. Luc Jouret et Johnny Mambro vont ainsi rapidement appeler leurs adeptes au don. Il y avait deux façons alors pour les adeptes de faire partie de la secte. Soit on était donc dans une sur place dans la communauté, ou soit on travaillait à l'extérieur, mais on était soumis à payer quoi une partie de son salaire, même là, des fois l'intégralité du salaire. On était appelé aussi donc à venir assister deux jours ou deux nuits de façon impromptue à des réunions, ou à des rituels. Régulièrement, les membres de l'Ordre du Temple Solaire se réunissent dans des cérémonies. C'est très important, ça, dans les sectes, le principe de la cérémonie. Elle se déroule en cape. Chaque adepte a une cape d'une certaine couleur en fonction de son grade dans la secte. Il y a des capes, il y a des épées, il y a des bougies. Ça copie un peu aussi les rituels maçonniques. Par le truchement de la pratique templière. Il y a une référence aussi à l'ésotérisme maçonnique, par la lumière, par les triangles. On vous parle du Christ, de Lucifer, la combustion, la carbonisation. Enfin, tout y est, mais dans une espèce d'alchimie un peu difficilement compréhensible. Et ces rituels vont se dérouler dans des lieux particuliers qui s'appellent des sanctuaires, des cryptes. Avec une mise en scène particulière.
qui tient à la présence de miroirs tout autour du sanctuaire. Ce qui fait que les images de chacun des adeptes sont renvoyées à l'infini. Et durant ces rituels, Jody Mambro officie en tant que maître de cérémonie. Dans ce genre de cérémonie, il fait croire à ses adeptes qu'il est en lien avec l'au-delà. Il est le messager par qui les personnes de l'au-delà, les entités de l'au-delà, font passer des messages. Dans ces cérémonies sont censés apparaître ce qu'ils appellent les maîtres de l'au-delà, les maîtres cosmiques, qui apparaissaient effectivement, mais on sait que ce sont des hologrammes. Hein, on leur disait que c'était les grands maîtres de l'art qui apparaissaient, etc. Mais en fait, c'était des trucages. Le juge, ouais, tout était truqué. Hein. Donc des effets spéciaux, mais coûteux, électroniques, pyrotechniques, visuels, des fumigènes, un peu de tout en fait, mettant les adeptes au fond de ces cryptes obscures, dans un état de transe qu'on a du mal à imaginer. Voilà donc les révélations sur l'ordre du Temple solaire, livrées par Patrick Vuarnet aux journalistes. Ses proches sont abasourdis, à l'exception de sa mère, Edith. Edith Vuarnet va se joindre à la discussion. Et elle aussi, elle va montrer qu'elle fait partie de cette organisation, on l'appelle comme ça, qui est une secte, mais qu'elle fait partie de cette secte et qu'elle connaît parfaitement tout ce qui peut s'y passer, le fonctionnement interne, qui fait quoi dans ce milieu. Et là, M. Vuarnet tombait des nues en disant il n'avait pas conscience que sa femme et son fils étaient impliqués dans une secte. Pour Jean, qui est très terre-à-terre, cartésien, sportif de haut niveau, c'est un non-sens total. Et surtout, il se demande comment il a fait pour ne rien voir. Mais alors, pourquoi Edith, alors âgée d'environ 55 ans, et son fils, Patrick, âgé d'une vingtaine d'années, ont-ils adhéré à l'ordre du Temple solaire ? Quand on ne fait pas partie d'une secte, le gros point d'interrogation, c'est comment les autres sont tombés dans la secte. Il y a beaucoup d'idées fausses sur les phénomènes sectaires. Une des premières idées fausses dont on a parlé, c'était celle de penser qu'on a affaire à des neuneux. Pas du tout. C'est des gens qui, effectivement, pour la plupart d'entre eux, avaient des vraies convictions. Hein. Edith Vuarnet présentait quelque chose d'un peu mystique, des pensées qui allaient au-delà de simple sport, de sa vie familiale et de sa vie sportive. Et elle est très portée par l'écologie. Et c'est cette valeur prônée par Luc Jouret qui va l'attirer en fait au départ. Mais au-delà de ses convictions, à la fin des années 80, Edith Vuarnet aurait été fragilisée et serait devenue vulnérable. Edith Vuarnet, elle a eu 3 garçons. Ils sont grands maintenant. Elle ne travaille pas. Elle est un peu désœuvrée. Néanmoins, l'épouse se sent un peu, à ce moment-là, mise à l'écart. Elle a un mari qui travaille énormément, qui est à travers le monde, qui gère ses affaires naturellement. À l'époque, comme sa mère Edith, Patrick aurait lui aussi traversé une crise existentielle. Il était golfeur professionnel, mais depuis quelque temps, il avait cessé toute activité. Il n'avait pas de moyens, hein, donc c'était le père qui finançait tout. Voilà. Il a toujours été complexé vis-à-vis de ses deux frères et de son père, quelqu'un d'assez écrasant et qui est connu dans le monde entier. Lui, il n'est rien de tout ça. Et c'était des gens normaux, mais qui ont été manipulés à un moment de leur vie où ils étaient peut-être en situation de faiblesse psychique, psychologique. Edith et Patrick Vuarnet auraient ainsi rejoint la secte à la suite d'une conférence de Luc Jouret. Nous devons choisir des aliments naturels et solaires, composés de matériaux nobles, de forces vitales, directement issues du rayonnement solaire, capables de mettre en évidence un jeu
qui augmente le niveau de conscience de l'individu puisé dans le rayonnement solaire originel. Denis Guillaume a été l'ami de Luc Jouret pendant 24 ans et a assisté à plusieurs de ses conférences. Oui, les conférences de Luc Jouret, c'est un grand moment. Hein. Et comme premier invité, voici le docteur Luc Jouret, homéopathe. C'est une voix chaude, enrobante, aimante. Et il y a des choses fondamentales de la vie qui sont dites. C'est ça qui est remarquable. Ma clientèle est bourrée de gosses. Ils ont tous des rhumes, ils ont tous des bronchites. Quel est l'enfant qui ne tousse pas? Si on ne leur met pas des 3, 4 écharpes ou un petit manteau, l'enfant prend froid tout de suite. Eh bien, il est anormal, les adultes aussi d'ailleurs. Il est anormal d'arriver à un état de déliquescence physique aussi grave. Le physique, je vous le rappelle, retenez ça, si vous avez déjà retenu ceci au cours de cette interview, le physique que vous avez, ou la qualité du physique que vous avez, est le reflet direct de l'être subtil qui est en vous. Alors, si quelqu'un a toujours quelque chose physiquement, c'est qu'il n'est pas du tout en règle intérieurement. Il est clair qu'il n'y a plus aucun enfant qui ne naisse bien pourtant. Incontestablement, il a un certain magnétisme. Il peut convaincre les choses. Et ce qu'il dit est toujours très logique. Il y a peu d'opposition possible. Et en plus, ça semble tout à fait bénéfique. Et donc, c'est quelqu'un qu'on peut suivre, vraiment. Jouret, qui à la suite de ses conférences vendait des livres, des cassettes, etc. Et les gens qui étaient intéressés, on leur présentait la chose suivante en disant « Oui, mais on fait partie d'une organisation. Si vous êtes intéressé, au sein de notre organisation, il y a une structure qui est plus secrète, avec des gens qui sont plus investis, si ça vous intéresse. » Et c'est comme ça que les gens vendaient à l'hameçon. En rejoignant la secte, les adeptes se sentiraient alors investis d'une mission. Au fur et à mesure du temps, on essayait de faire croire à ses adeptes qu'ils faisaient partie d'une élite. C'est ça l'idée, c'est l'idée de faire partie d'une élite éclairée qui allait peut-être sauver le monde. C'est plutôt cette idée-là, en disant vous faites partie d'une élite. Jody Mambro disait vous êtes la crème de la crème. Et là, le narcissisme de l'adepte est flatté. Et l'adepte va dire, ben, j'ai découvert ma véritable famille. J'ai découvert ce à quoi j'aspirais. Mais derrière cette idée de sauvetage se cache en réalité un projet dangereux. Car Joe DiMambro et Luc Jouret ont élaboré toute une théorie autour d'une vie parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la fin du monde. Et finalement, l'OTS, qu'est-ce qu'elle prône? Elle prône à ses adeptes que grâce à leur appartenance à cette secte, eux ne vont pas mourir. Eux vont réussir à vivre dans un monde parallèle, même dans une planète qu'on appellerait Sirius. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire aux adeptes on va prendre une fusée et s'envoler vers une étoile nouvelle. Non, non. On va se suicider collectivement, être carbonisé dans la foulée pour qu'il ne reste rien du corps de chair, afin que notre esprit libéré, pur, purifié, puisse transiter vers l'au-delà. Et là, il y a cette espèce de délire stellaire hein, qui fait qu'on va rejoindre dans la mort, ritualisée, une planète, la planète Sirius, pour revenir dans une forme réincarnée. C'est-à-dire que pour rejoindre la planète Sirius, il faut passer par la mort. Le corps terrestre n'existera plus en tant que tel, mais l'âme renaîtra sur la planète Sirius. Et uniquement,
les membres de l'Ordre du Temple Solaire pourront vivre paisiblement et sereinement sur cette planète. Au sein de l'Ordre du Temple Solaire, ce qui s'apparente ainsi à un suicide collectif est nommé le transit. Patrick et Edith Vernet l'auraient parfaitement intégré, comme Patrick l'explique en octobre 1994 aux deux journalistes. Il a une de ses meilleures amies, d'ailleurs, qui a péri dans les flammes en Suisse. Mais devant son frère et devant son père, eh bien, il dit tout simplement qu'effectivement, il aurait sans doute dû se trouver là, ce jour-là. Il culpabilise parce qu'il y avait une espèce d'ordre qui était donné par cette secte, simplement de se sacrifier en quelque sorte, de se suicider, d'accepter ce massacre collectif, et il n'y était pas. Donc, effectivement, là, ça glace totalement d'effroi son père et son frère. Parce que là, ils se demandent à qui ils ont affaire. Et dans quel état peut se trouver Patrick et sa mère? Qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête? C'est ça, c'est la question que se posent les vues armées. Après ces révélations, en février 1995, Patrick Vernet est interpellé par la police suisse qui est remontée jusqu'à lui durant son enquête. Pourquoi il est interpellé? Parce qu'effectivement, il a posté des lettres, non pas de revendication, mais enfin d'explication des massacres en Suisse. Il admet que c'est lui effectivement qui les a postés, il fait partie de l'organisation, il avait cette mission, il a été le messager en quelque sorte, donc il a posté ses lettres. Et donc il va être incarcéré pendant 4 jours. Et là, la famille va devoir affronter une tempête médiatique, il n'y a pas d'autre terme. Elle va être vraiment assaillie par la presse, par les journalistes. L'opinion se demande quel est le rôle exactement joué par la famille Vuarnet en entier. Hein. Comment cela est-il possible que la famille Vuarnet n'ait rien pu percevoir de l'implication de l'épouse et du fils dans la secte? Ça semble incroyable et l'opinion pense que toute la famille est mêlée dans cette secte, a fait partie de cette secte. En tout cas, c'est le soupçon qui pèse sur l'ensemble de la famille à ce moment-là. Alors, on en revient toujours au nom des Vuarnet qui pèse lourd dans cette histoire. Et effectivement, là, la presse va un petit peu se déchaîner. Patrick Vuarnet est finalement libéré. Les policiers suisses estiment qu'il n'a pas eu de rôle décisionnaire dans le massacre. Il ne sera pas poursuivi, il n'y a pas de charges qui sont retenues contre lui. Il a accepté de poster ses lettres, alors il n'y a absolument aucun élément qui permet de l'incriminer pour quoi que ce soit dans cette affaire. On peut même penser sérieusement qu'il ignorait ce qui allait se passer. Mais Patrick Vuarnet, à ce moment-là, a servi simplement de factotum. Enfin, il a servi de facteur. Hein. On lui a demandé et il s'est exécuté parce qu'il avait appris à l'intérieur du Temple solaire à obéir aux ordres qu'on lui donnait. C'était sa mission. Ça faisait partie de la mission. Mais c'est une autre information qui va faire les gros titres. Luc Jouret et Jody Mambro, les deux gourous de l'Ordre du Temple solaire, ont été officiellement identifiés parmi les victimes des chalets suisses. Donc ça donne de l'espoir, parce qu'on croit que ça y est, c'est fini cette histoire de secte. Monsieur Vuarnet a interrogé sa femme, et bon, ça, il a dû y avoir quand même quelques explications. Très rapidement, sa femme a dit « Bon, oui, d'accord, mais maintenant j'ai compris, hein, j'ai coupé les ponts avec cette secte, etc. » Après ce qui s'est passé, comment veux-tu que je continue à voir ces personnes? Ça va être sa réponse. Pourtant, en décembre 1995, la famille Vuarnet va à nouveau être plongée dans la tourmente. Le 16 décembre 1995, Jean Vuarnet revient chez lui et là il a une surprise, c'est qu'effectivement il découvre une maison où toutes les lumières sont allumées, les portes sont ouvertes et surtout son épouse, Edith, n'est pas à la maison. Il appelle, ça ne lui ressemble absolument pas, c'est une femme qui effectivement a sa vie mais qui est
très très souvent au domicile. Donc il ne comprend pas, il va la chercher partout, elle ne va pas rentrer de la nuit, elle a disparu. Et là, ils s'aperçoivent qu'à la fois Edith, la maman, et puis Patrick, le petit frère, tous les deux ne répondent plus au téléphone. Ça inquiète énormément la famille. Ils se demandent ce qui se passe, pourquoi ils ne répondent plus. Pourquoi ne serait-il pas parti dans cette secte? Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les jours passent. Edith et son fils Patrick ne réapparaissent pas. Jean et Alain Vuarnet sont dans une grande inquiétude, mais ils sont encore loin d'imaginer l'horreur qui les attend. En Suisse, cela fait 6 jours qu'Edith Vuarnet et son fils Patrick se sont volatilisés. L'inquiétude grandit d'autant que d'autres disparitions ont été signalées à la gendarmerie. Une quinzaine de personnes étaient recherchées par leur famille depuis une huitaine de jours. Et ils étaient partis sans laisser bien sûr d'éléments et avec leur véhicule. Et depuis, donc, malgré les recherches des familles, on ne les avait pas revus. Ce sont des gens que l'on connaît, puisque c'est des gens qu'on a entendus dans le cadre de l'affaire du temple solaire d'Ocope 94. Évidemment, dans le contexte du temple solaire, des hypothèses les plus pessimistes étaient formulées d'emblée. Puisqu'il n'était pas interdit de penser qu'un nouveau transit vers Sirius avait eu lieu. Jean Vuarnet est très inquiet, ainsi que son fils. Ils se disent « et si ?» Et si Edith, et si Patrick faisaient eux aussi partie d'un nouveau voyage. Un dispositif de recherche est mis en place entre la France et la Suisse pour retrouver les Vuarnet, ainsi que les 14 autres membres disparus du Temple solaire. C'est alors que dans le Vercors, deux témoins vont se présenter aux policiers. C'était deux chasseurs. L'un d'eux a senti une odeur bizarre, une odeur de cuir brûlé. Et à leur grand étonnement, ils ont découvert derrière un rideau d'arbres 4 véhicules. Ces véhicules, c'est la première chose que l'on voit sur le parking attenant à la route forestière. Et donc, ces véhicules, immédiatement, ont permis de faire le lien avec les personnes qui étaient recherchées. Puisqu'on a découvert, à l'intérieur, toutes leurs pièces d'identité qui correspondaient donc exactement aux personnes disparues. Les gendarmes organisent alors une battue dans la forêt située dans les environs. Et très rapidement, ils vont découvrir les corps. Ce matin, à 9h, l'information tombait. L'hélicoptère de la gendarmerie venait de localiser les corps calcinés des membres du temple solaire. Chaque colline, chaque grotte étant passée au peigne fin. Ces efforts auront donc abouti ce matin avec ce final morbide. Une succession de corps brûlés retrouvés dans le secteur de Serre de Page, dans le massif des Coulmes, en pleine exploitation forestière. Parmi ces cadavres, on avait 14 qui étaient en position commune, c'est-à-dire ils étaient allongés sur le dos, la tête vers l'extérieur, les pieds et la partie du corps hein, dans ce qui avait été le brasier. Par contre, il y en avait 2 autres qui étaient en position divergente. Sur les lieux, il y avait un jerrycan, il y avait des armes, 22 longs rifles avec des cartouches correspondantes. Il y avait 2 armes de calibre 357 Magnum. Un de nos objectifs a été tout d'abord de déterminer l'identité de ces victimes, ensuite de déterminer les causes de leur mort et troisièmement des circonstances dans lesquelles ces morts étaient survenues.
Et dans la nuit du 23 décembre 1995, Alain et Jean Vuarnet apprennent la terrible nouvelle. Edith et Patrick font bien partie des victimes. Et quand la famille Vuarnet se rend compte de ce qui a pu se passer, je vous laisse imaginer le drame que ça représente. C'est pas possible. Ils ont pu être trompés par leurs proches qui leur ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas été capables de voir non plus. Jean Vuarnet, avec son fils, il était complètement massacré. Hein. Il savait plus où il en était. Il comprenait pas. Il n'avait rien vu. C'était complètement inattendu et c'était un sacré choc. Hein. L'enquête, confiée à la brigade de gendarmerie de Grenoble, permet rapidement de reconstituer le déroulé des faits. Ces gens-là sont allés dans le Vercors, on sait que c'est sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérennes, dans un endroit relativement isolé. Évidemment que c'est un endroit qui avait dû être repéré à l'avance, on ne va pas là-bas par hasard. Il faut imaginer donc cette caravane, enfin ce groupe qui monte à la queue-leu-leu, les uns derrière les autres. Ces gens-là sont investis d'une mission qui était celle de sauver l'humanité et d'aller se réfugier sur une planète qui était leur lieu de survie, persuadés qu'ils étaient que la Terre était trop polluée, trop densifiée. Ces gens-là qui ont décidé de repartir vers une forme de nouvelle naissance qui était en réalité leur propre mort. Ils se sont installés en forme de couronne. Il faut imaginer quand même cette scène de crime complètement hallucinante. Des corps en forme de couronne avec un sac plastique sur la tête au milieu de cette forêt dense et noire. C'est quelque chose d'absolument tragique. Il y a une mise en scène comme tout ce que fait l'Ordre du Temple solaire. Tout est autour d'une mise en scène en permanence. Ces gens ont pris des médicaments, ont pris de la digoxine, ont pris une benzodiazépine, ce qui devait les ensuquer. Une fois qu'ils ont été calmes, nous pensons que les exécuteurs ont commencé à abattre ces personnes. Un tir pour toutes les victimes a eu lieu au niveau de la tête et au niveau du thorax. Vous imaginez, ces personnes-là, c'est quand même terrible de se faire exécuter, même si je suis d'accord. Donc on se met un sac sur la tête, on prend des médicaments et on est dans un état second, on ne voit pas ce qui se passe. Alors on imagine aussi le temps qu'il a fallu pour exécuter les gens. Selon les enquêteurs, les deux tueurs seraient un certain André, c'est un Suisse, et le deuxième tueur serait un policier français installé à Annemasse qui s'appelle Jean-Pierre. Ce serait, selon les policiers, et ça on en a maintenant la certitude, ce sont eux qui auraient tué les autres. Ils ont installé sur les corps un lit de bois pour y mettre le feu. Et ils se sont tirés une balle dans la gorge pour choir ensuite sur ce foyer. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Au-delà de la mise en scène et du positionnement des corps, ils vont tout de même trouver des enfants, dont le plus jeune a quelques mois seulement. Et la présence de ces enfants pourrait expliquer un élément troublant constaté sur le corps de deux victimes. Il faut constater que les deux mères de famille ont manifestement subi des violences ante mortem, hein, ça c'est absolument certain. Et l'hypothèse qui a été suggérée d'emblée, c'est que ces mères avaient pu manifester une révolte, une réaction en entendant le bruit des coups de feu qui se rapprochaient d'elles-mêmes et de leurs enfants, qu'elles s'étaient peut-être ou sans doute rebellées et que les meurtriers les avaient neutralisées en les frappant. Vingt et un jours après le drame du Vercors,
ont lieu les obsèques d'Edith et Patrick Vernet. Ah ben il y avait avant tout. Ah oui, oui. C'était triste, c'était vraiment très triste. Ouais. C'était un choc pour tous, pour tout Morzine. Durant l'enterrement, Alain fait un discours, un hommage funèbre, et il ne remet pas du tout en cause, à ce moment-là, le suicide de son petit frère et de sa mère. Ce n'est que quelques temps après que a pu naître l'idée que leurs proches avaient été assassinés par des tiers. Alors pourquoi des doutes chez les Vuarnet? Ben d'abord, la première chose qui les fait tiquer, c'est à la lecture du dossier. Il y a deux policiers de bon niveau qui ont leurs entrées d'ailleurs au ministère de l'Intérieur. Donc ça fait un peu, j'allais dire fantasmer, mais en tout cas, on se pose des questions. Mais ce n'est pas le seul élément qui va alimenter leurs doutes. On se rend compte que l'hypothèse que retient le juge d'instruction ne convient absolument pas. C'est qu'en fait, on nous fait croire qu'ils ont emprunté, qu'ils ont été volontaires dans ce massacre, alors qu'en fait, tout porte à croire qu'ils n'ont pas été. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des fractures constatées sur les victimes. Ils ont été drogués. Donc, si les personnes étaient vraiment conscientes de vouloir faire un acte de ce genre, pourquoi se seraient-ils drogués ? Pourquoi se seraient-ils emmener leurs propres enfants? C'est une aberration totale. Et si Edith et Patrick ne se sont pas suicidés, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le jour du massacre? Est-ce qu'ils se sont tous suicidés en étant d'accord entre eux, ou alors est-ce qu'ils ont été victimes d'un meurtrier? Pour Alain Vuarnet, il y a quelque chose de plus grave qui se cache derrière ce suicide dans la forêt. Lui est persuadé qu'on ne lui a pas dit la vérité. Il va donc rentrer dans un combat pour faire éclater la vérité, sa vérité. Après la mort de sa mère et de son frère dans le Vercors, Alain Vuarnet, qui ne croit pas à la thèse du suicide collectif, se lance à corps perdu dans une contre-enquête. Alain Vuarnet, il faut dire d'abord une chose, c'est qu'il protège son père. C'est-à-dire que Jean commence à être âgé. Il ne veut pas que son père Jean soit exposé encore à cette histoire. Et donc c'est Alain Vuarnet qui se charge d'affronter le dossier. Il passe beaucoup de temps, parfois des nuits entières, sur ces dossiers pour savoir qu'est-ce qui a cloché et pourquoi finalement ça ne serait pas un suicide. On peut supposer qu'Alain Vuarnet se dit « c'est pas possible, ils n'ont pas été assez faibles, assez bêtes pour se laisser avoir, donc je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas qu'ils aient pu être aussi faibles que ça. Et je n'accepte pas, moi, Alain Vuarnet, de ne pas avoir vu leur déclin et leur dérive. » Pour Alain Vuarnet, un élément important n'aurait pas été assez exploité, celui de la crémation des corps. Lorsque les gendarmes arrivent sur la scène de crime, on va découvrir sur place un jerrycan. Donc la question qui va rapidement se poser, c'est comment est-il possible de carboniser les 16 corps avec a priori un seul jerrycan d'essence ? Il devait faire dans les 0 degrés, c'était humide, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir carboniser les corps au point, si ce n'est éventuellement d'avoir un bûcher mais énorme qui aurait fait constater sur les photos qu'on a découvertes au moins 50 cm, mais voire plus de cendres. Or, il n'y avait rien. On s'aperçoit que les os ont été collés entre eux. C'est-à-dire que ça suppose des températures extrêmes. Il aurait fallu, sur place, emmener un semi-remorque de bois pour constituer le brasier qui aurait pu dégager une telle chaleur. C'est impossible. La réponse des enquêteurs, à ce niveau-là, c'est de dire, mais sur place, il y avait une quantité de bois sec qui a été positionnée sur les corps et la carbonisation a été faite par le bois qui était sur place. Et là, on rentre dans un grand débat. Y avait-il assez de bois ?
a-t-il pas assez de bois pour brûler les corps comme il aurait été ? Alain Vuarnet, il va solliciter les services d'un expert en incendie, puis un expert judiciaire. Celui-ci va s'apercevoir, après des recherches, qu'il y a un taux de phosphore extrêmement important dans la terre. Donc ça, c'est tout à fait anormal. Et là, la thèse qui prévaut, c'est-à-dire que le brasier a été alimenté par une source extérieure. Des lance-flammes au phosphore qui ont causé cet embrasement de très grande puissance. Il y a une théorie qui se met en place, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des barbouzes qui seraient venus tuer ces membres de l'OTS à l'aide de lance-flammes. Voilà, c'est la théorie qui est imaginée. Donc là, on n'est plus dans le suicide, mais on est dans l'assassinat. Ce n'est pas la seule incohérence qu'Alain Vuarnet et son avocat relèvent dans le dossier. Nous avons fait des expertises, mais à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas le problème de l'expertise sur la carbonisation des corps qui pose problème. Sur la balistique, la thèse comme quoi il y aurait eu un crime en vase clos, c'est impossible. La personne qui serait tuée après avoir tué les autres, il se tire une balle et au lieu d'être de tomber vers l'arrière, il tombe vers l'avant. Et comment ça se fait que l'arme se trouve à droite alors qu'il est gaucher ? Mais du côté de l'instruction, ces résultats ne sont pas scientifiquement recevables. Le collège d'experts auquel j'appartenais a mis en évidence des biais d'interprétation, des erreurs méthodologiques qui ne permettaient pas de confirmer l'utilisation d'un lance-flamme, que nous pensions que cette thèse n'était pas admissible sur le plan scientifique. La justice reste un peu droite dans ses bottes dans cette histoire. C'est-à-dire que, à la fois, il est difficile de ne pas écouter les victimes, de ne pas écouter les parties civiles, mais on s'en remet aux rapports officiels. Les rapports officiels, ils disent qu'effectivement, ils concluent à des suicides, ils concluent à un suicide collectif. Donc c'est la thèse qui prévaut dans les milieux judiciaires. Je me souviendrai toujours dans cette réunion qui a été faite, il y avait donc le père Vuarnet, et à un moment donné, le juge d'instruction expose que ces carbonisations ont été faites par du feu de bois, etc. Et lorsqu'on égrène au fur et à mesure les incohérences du rapport, et à un moment donné, le monsieur Vuarnet se lève et dit « Mais vous vous moquez de qui ?» en s'adressant au juge. « Vous pensez que les victimes qui ont été tuées, assassinées, en fait, ont été carbonisées et se sont retournées pendant la cuisson ?» Non mais, c'est hallucinant. Donc, cette famille déchirée va n'avoir de cesse, dans le cadre cette fois de l'enquête sur les faits du Vercors, que de harceler la justice, on peut le comprendre. Son leitmotiv était « Qui sont les responsables ?» Et le gros problème, c'est de savoir à qui a profité le crime. Et le problème à qui profitait le crime, c'était la piste financière qu'il fallait chercher. Alain Vuarnet va alors se plonger dans tout l'historique de l'Ordre du Temple solaire. C'est ainsi qu'il va découvrir qu'en 1994, des conflits d'ordre financier auraient éclaté entre certains adeptes et leurs gourous. La communauté était en train de se disloquer complètement, hein. Donc c'est année 94 que j'ai très vite senti par la suite qu'il y avait des tensions de tous les côtés. Dans l'ordre, il y a énormément d'argent. Il y a un certain nombre de donateurs fortunés qui ont donné des sommes absolument invraisemblables. Hein, évidemment, quand les adeptes confie des sommes importantes à la caisse de l'OTS. Il faut un suivi rigoureux, une comptabilité sérieuse. Mais là, peut-être que Di Mambro succombe à, visiblement, avec tout ce qu'on a vu, il est difficile de voir autre chose. Hein, il va se servir, c'est évident.
Johnny Mambro fait étalage de son argent, de sa vie faste, des maisons qu'il se fait construire, de ses voyages en première et des grosses voitures avec lesquelles il circule. Johnny Mambro est roulé en Maserati, en Ferrari, en Lamborghini et acheté des villas de luxe. Johnny Mambro et Jouret ont fait l'acquisition sous forme de société civile immobilière d'un certain nombre de biens immobiliers. En Suisse naturellement, mais également en France et au Canada. Le montage était très bien fait. Ils achètent ces biens. Une fois qu'ils opèrent cette acquisition, ils vont les revendre. Mais quelquefois, 10 fois plus cher. À des sociétés constituées par les membres de l'Ordre du Temple solaire, qui deviennent à leur tour porteurs de parts sociales de ces sociétés civiles immobilières, et donc peuvent à ce moment-là vivre en communauté. Donc tout le monde est favorable à ça. Tout le monde est favorable, sauf que le bénéficiaire économique dans cette affaire, c'est l'Ordre du Temple solaire, qui réalise des plus-values colossales à chacune de ses acquisitions immobilières. Bien évidemment, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. Où passe mon argent? Pourquoi le gourou n'est jamais avec nous? Pourquoi lui, il s'autorise une vie de rêve très matérialiste, à l'opposé des valeurs qu'on nous inculque? Donc là, il commence à se poser des questions. Et bien évidemment, en se posant des questions, ils vont en parler aux autres. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vive dans une situation aussi simple? Et dans la secte, il y a quelques personnes qui vont commencer un petit peu à se rebeller. Ainsi, plusieurs adeptes auraient demandé un remboursement de leurs fonds à Johnny Mambro. Il est clair qu'il y avait des donateurs fortunés et il est clair que certains d'entre eux souhaitaient quitter l'ordre avant les événements d'octobre 1994. Ça, c'est un élément objectif. Que ça constitue pour l'OTS, à ce moment-là, une hémorragie qui ne pourra pas être supportable. De toute façon, ceux qui ont donné des sommes absolument énormes, évidemment, l'ordre n'est pas en capacité de les rembourser. On commence à avoir des gens qui, au-delà de leur prise de conscience, vont devenir des témoins. Et donc des traîtres. Et l'enquête suisse va venir appuyer la piste d'un potentiel règlement de compte. Dans l'affaire des deux chalets suisses, au-delà du caractère macabre et spectaculaire de cette affaire, l'enquête a vraisemblablement permis de déterminer que des personnes n'ont pas voulu mourir. Il y a une partie qui est morte parce que c'était des traîtres et qu'ils allaient bientôt dénoncer la réalité de la secte aux autorités. Et puis il y a d'autres membres qui se sont vraiment tués volontairement, pensant rejoindre Sirius. En épluchant les comptes de l'ordre, Alain Vernet et son avocat vont également relever des flux financiers suspects qui n'auraient pas été pris en compte par les enquêteurs. En 1993, juste avant le massacre, il y a eu un transfert entre Zurich vers Sydney d'un 93 207 000 dollars. Selon Maître Leclerc, ce transfert pourrait justifier une intervention extérieure mafieuse dans le cadre d'une vaste opération de blanchiment d'argent. Qui en a profité, en fait, en réalité? Parce que, en réalité, c'était une blanchisseuse, une lessiveuse, cette organisation nébuleuse qui se trouvait Suisse, Canada, en Australie. Ils achetaient, ils revendaient des biens immobiliers. Mais qu'a fait le juge d'instruction français? Il n'a jamais vérifié tous ces SI qui ont été construites et achetées, à qui ça a profité? C'est-à-dire que de savoir qui opérait ces blanchiments. Alors, les membres de l'Ordre du Temple solaire ont-ils été tués pour étouffer des malversations financières ou étaient-ils volontaires au suicide collectif? Le mystère est total. Parmi les 3 massacres en question, là, il y a à peu près 12 ou 13 comptables dans la nébuleuse OTS qui ont été tués. On a éliminé tous les comptables de cette organisation. Et en réalité, ceci, c'est une mise en scène pour masquer tout l'aspect financier lessiveuse de cette opération hors du temple solaire qui a servi à financer une certaine mafia qui était derrière et que malheureusement, les services de renseignement essayaient d'étouffer cette affaire pour des raisons, je pense, d'éviter un scandale qui malheureusement a été un échec pour eux parce que les
deux policiers qui étaient infiltrés ont été tués dans cette affaire, dans le Vercors. On a évidemment tout imaginé, bien entendu. On a essayé de voir un petit peu quelles étaient les relations des uns et des autres avec d'autres personnes qui étaient vivantes. Naturellement, on a entendu des dizaines et des centaines de personnes. Naturellement, c'était évidemment très important d'essayer de comprendre. Il est clair que le projet homicide a été mûri, a été préparé. Est-ce qu'il a été préparé de longue date ? Pour quelles raisons a-t-il été préparé ? Dissension interne au groupe ? Problèmes financiers, ou est-ce que l'homicide, le transit, était prévu, j'allais dire, comme projet initiatique depuis le début? Alain Vernet, c'était le combat de sa vie et de la vie de son père, de sa famille, parce qu'il a tout perdu dans cette histoire. Il a perdu sa mère, son petit frère, et le pire, c'est de ne pas comprendre, et donc il fallait absolument qu'il puisse avoir des réponses. En 1996, l'enquête sur les massacres du Vercors se poursuit. C'est ainsi que la presse va s'intéresser à un homme. On se demande si il n'y aurait pas un troisième homme qui tirerait encore les ficelles de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a des journalistes qui vont enquêter de manière un peu plus approfondie sur ce troisième homme, qui finalement s'est fait très discret jusqu'à présent. Ce troisième homme, c'est Michel Tabachnik, 59 ans. Il a déjà été entendu dans la procédure et serait un membre clé de l'Ordre du Temple Solaire depuis sa fondation. Alors Michel Tabachnik, c'est un grand musicien. À l'époque, c'est un homme dont on parle beaucoup, qu'on admire. C'est un chef d'orchestre international. Il est très connu, Michel Tabachnik, et il faisait partie de l'Ordre du Temple Solaire, de l'OTS. Il était même, dit-on, le numéro 3. Michel Tabachnik avait une connaissance ésotérique particulière qui était autour de l'alchimie et autour des traditions ésotériques occidentales. Et il va construire le contenu de la doctrine de l'Ordre du Temple Solaire. Il a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle « Les Archers », qui donne un petit peu la philosophie de l'organisation. Dans ses écrits, on parle de Sirius. C'est ce qui met la puce à l'oreille aux enquêteurs, pensant que si dans les écrits amenés par Michel Tabachnik, on parle de Sirius, c'est que peut-être Tabachnik serait à l'origine de ce départ vers Sirius. Toute la question est de savoir quel est le lien entre les écrits et le passage à l'acte des adeptes. Il s'agirait donc, pour l'instruction, de démontrer le sens de ce texte afin de prouver qu'il a servi de levier pour pousser les adeptes au suicide. Eh bien, je mets quiconque au défi de comprendre ce qu'il y a dans ces écrits, les archers. La réalité, c'est qu'on ne sait même pas si les adeptes ont réellement compris ce qui était écrit dans les archers. C'est totalement incompréhensible. Personne n'est capable de déchiffrer. C'est comme une langue étrangère. La puissance de volition, acte de volonté, est à la base de toutes les actions, mon frère, tant dans le domaine matériel que moral ou même spirituel. Sans elle, pas de parole, de pensée ou d'action. Pas non plus de sensation ou de sentiment. C'est du charabia. Ça veut rien dire. Michel Tabachnik va être placé en garde à vue le 10 juin 1996 et mis en examen pour association de malfaiteurs en raison de ses liens avec les gourous. Au fur et à mesure de l'enquête, il va accepter de dire que oui, il faisait partie de l'Ordre du Temple Solaire, mais que ce n'était pas un membre... mais qu'il n'était pas un membre fondateur, que finalement, voilà, il participait parce que Johnny Mambro lui a demandé de participer, etc. Mais tout ça, ça ne tient pas. On ne peut pas mettre une cape, écrire des archers qui sont les textes fondateurs, sans avoir un rôle prépondérant.
Donc Tabachnik était responsable des enseignements, responsable des doctrines. C'est lui qui, avec les deux autres gourous, Jouret, Dimambro, a concouru au premier chef à l'endoctrinement des adeptes et donc à ce qui va finalement arriver. Mais plus d'un an après le drame du Vercors, un nouvel événement va bouleverser l'enquête. L'ordre du Temple solaire fait à nouveau les gros titres à des milliers de kilomètres de la France. État de choc dans la petite ville de Saint-Casimir. Vers 7h hier soir, un promeneur est alerté par de la fumée qui sort de cette maison. Très vite, les pompiers sont sur place. Ils découvrent à l'intérieur les cadavres de 3 femmes et de 2 hommes. Parmi les victimes, un couple de Français originaires du Havre. C'est sidérant parce que, en réalité, je pensais que ça serait terminé. En réalité, non. Alors, le massacre de Saint-Casimir, donc au Québec, hein, effectivement, une famille entière qui est anéantie. Le père, la mère, la grand-mère. Au départ, les 3 enfants devaient faire le transit avec eux. Et les enfants qui ont réfléchi et qui ont réussi à convaincre les parents de ne pas les embarquer avec eux. Les pompiers sont approchés d'eux, ils sont aperçus qu'il y en avait 3. Ils semblaient perdus, un peu hagards. Immédiatement, les pompiers s'en sont occupés, les ont emmenés au chaud et ils ont été amenés voir un médecin. Les parents acceptent de leur laisser la vie saine et sauve, mais les parents, eux, vont mettre fin à leur jour. Et effectivement, à ce moment-là, on a la preuve qu'en ce qui concerne Saint-Casimir, il n'y a pas d'intervention extérieure, c'est absolument certain. Alors, Michel Tabachnik a-t-il été impliqué dans tous ces massacres ? C'est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir à Grenoble, le 17 avril 2001. Près de 6 ans après le drame du Vercors, le procès de l'ordre du Temple solaire s'ouvre avec Michel Tabachnik pour seul prévenu, poursuivi pour association de malfaiteurs. Le procès de la secte de l'ordre du Temple solaire est extrêmement attendu. Il y a un monde fou, hein. C'est un procès qui va durer pendant plusieurs jours. Beaucoup de badauds vont venir voir ce procès. Évidemment, le visage de ce gourou, Michel Tabachnik. Le tribunal ne pouvant pas accueillir l'ensemble des participants, le procès a lieu dans un musée de Grenoble. C'était dans les locaux d'un ancien musée. Au volume gigantesque, on avait l'impression d'être dans une cathédrale en réalité. Mais dès le début du procès, l'avocat d'Alain Vuarnet, Maître Leclerc, qui défend la thèse d'une intervention extérieure, va créer la polémique. Alors la curiosité aussi de cette affaire de l'intervention extérieure supposée, c'est qu'elle est présentée par un avocat au profil extrêmement particulier, puisqu'il avait été membre de la loge Opéra. Et la loge Opéra, c'est une loge maçonnique plutôt confidentielle, qui a été créée en 1958, pas très connue, mais qui existe, et il l'a revendiqué lui-même hein, d'en avoir été membre. Sauf que la loge Opéra, plusieurs des dignitaires de l'OTS, de l'Ordre du Temple solaire, en sont issus également. Et moi j'affirme que Michel Tabachnik en faisait partie aussi. Mais vous en faisiez partie ou pas ? Oui, j'en ai fait partie. Mais ça ne change absolument rien parce que je me battais pour mes clients et si j'ai un compte à rendre, c'est vis-à-vis à l'égard de mes clients. Mais j'ai aucun doute à ce sujet. Je veux dire, je cherchais la vérité et en tout cas de cause, les gens qui osent dire cela sont des menteurs, c'est des gens qui essaient de déstabiliser les choses alors qu'eux-mêmes choisissent un expert qui appartient depuis fort longtemps à cette organisation templière. Et est-ce que Michel Tabachnik, il en faisait partie ? Je n'ai pas souvenir. Je ne pense pas, je ne sais pas. Et Dimambro et Jouret ? Dimambro a dû passer sur Genève, je pense. Non, Jouret, pas Dimambro, Jouret. Jouret, je pense. Donc, c'est très curieux qu'un avocat avec un tel pédigré arrive, comme par magie, avec une thèse clé en main, offerte aux familles de victimes,
pour venir finalement dédouaner l'ordre du Temple solaire, dédouaner les gourous. Là, il y a eu un parasitage total du procès. Aussi hallucinant que ça puisse paraître, et alors qu'on savait très bien que Michel Tabachnik était le responsable de la doctrine et des enseignements au sein de l'OTS, c'est important dans une secte, les enseignements et la doctrine, c'est le cœur vibrant d'une secte. Et alors qu'on savait cela à propos de Michel Tabachnik, on a pu voir Alain Vuarnet, Alain Leclerc plus dans l'ombre, mais Alain Vuarnet face caméra, déclaré à plusieurs reprises devant les télévisions, les radios, que Michel Tabachnik n'avait rien à voir avec les massacres de l'ordre du Temple solaire, c'est-à-dire sauver la mise de Michel Tabachnik. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors. Qui a menti dans cette histoire? Qui a parasité? Je veux dire, moi je faisais le travail que les familles demandaient. J'avais carte blanche pour chercher la vérité. Quelle chance pour moi. J'avais carte blanche pour pouvoir demander tous les actes possibles. Malheureusement, à chaque fois, on m'a bloqué. Quand on voit les actes que j'ai menés et quand on voit ce qu'ils ont fait, ces gens qui critiquent, entre guillemets, en plus ceux qui n'ont critiqué, ils critiquent quoi? Sur quelle base critiquent-ils mon intervention? Et à quel titre ils le font? Ils n'ont aucune légitimité pour pouvoir me critiquer. Aucune! Le procès tourne rapidement au règlement de compte entre parties civiles. Et en fait, ces gens-là ont fait le jeu de Michel Tabachnik. Et pour son avocat, c'était du billard. Il n'y avait plus qu'à se taire. Hein, c'était extraordinaire. C'était la défense de Michel Tabachnik était de dire non, moi je ne suis pas mêlé à ça, j'y comprends rien, je ne sais pas de ce qu'on me veut. On me fait un mauvais procès et je suis le bouc émissaire de quelque chose dans lequel je n'ai aucune responsabilité. Dans les archers. Oui, en effet, on parle de cette planète Sirius. En effet, on parle d'un départ vers ce nouveau monde, mais finalement, est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que ce sont simplement ces écrits qui ont poussé les gens à se tuer? Ça reste un énorme mystère. Et l'avocat de la défense a eu une porte ouverte incroyable en plaidant une seule chose, en substance naturellement, qui a été de dire « Peut-on juger la Bible pour les crimes de l'Église? Peut-on juger le Coran pour les crimes des terroristes? Peut-on juger Tabachnik pour les crimes liés à ses écrits ?» Il n'a pas de mal à se défendre parce qu'il n'y a pas de possibilité finalement de l'accuser. Et le 25 juin 2001, deux mois après la fin de ce procès hors norme, le verdict tombe. Michel Tabachnik est relaxé. Donc ça veut dire que personne n'est coupable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupable. Il y a 74 morts. Il n'y a pas de coupable. Personne. Le parquet décide de faire appel de la décision et il va y avoir un deuxième procès en appel et à nouveau, Michel Tabachnik va être relaxé et donc blanchi de tout soupçon. Et l'ordre du Temple solaire garde son mystère. Et c'est ça qui personnellement me chagrine. Et personne ne sera jamais ni poursuivi, ni condamné. Fin de l'histoire. Depuis la fin du procès, Michel Tabachnik a refait sa vie en Suisse. Le rideau est refermé, mais il dit curieusement, je l'ai vu dans une interview, Michel Tabachnik, qu'il est, il est quand même heureux d'avoir vécu cette expérience judiciaire pour finalement être innocenté, parce que ça lui a permis de faire le décompte de ses amis, de ses ennemis, et de mieux vérifier ce qu'était la nature humaine. Enfin, voilà, il s'en sort par une pirouette, une phrase assez spirituelle, philosophique, sur le mode finalement, tout ça m'a pas dérangé. C'est très curieux, c'est un peu cynique, je trouve. Mais c'est Michel Tabachnik. Jean Vuarnet est décédé en 2017. Mais son fils, Alain Vuarnet, aujourd'hui âgé de 60 ans, poursuit leur combat.
Il ne s'est pas abattu, il n'a pas renoncé. Il a toujours voulu savoir ce qu'il en était. Il a toujours voulu se battre. Ça veut dire que, peut-être aussi par rapport aussi à son activité et à son mental, mais c'est vrai que heureusement qu'il a eu ce mental de combattant pour arriver en fait à ne pas baisser les bras dans cette affaire. Il est toujours dans cette espèce de quête un peu obsessionnelle de la vérité, même s'il est, il se met en retrait aujourd'hui et que effectivement c'est très lourd à porter tout ça. Mais on sent qu'il a porté longtemps sur ses épaules un énorme fardeau. Il a protégé son père longtemps et ça c'est admirable parce qu'il a protégé à la fin pour lui épargner toutes ses affaires. Il a tout pris sur lui et en cela, c'est quelqu'un de bien, Alain Vuarnet, c'est quelqu'un de bien. Plus de 30 ans après les premiers massacres, l'affaire de l'ordre du Temple solaire continue d'intriguer et de fasciner. C'est une affaire qui m'interroge toujours, hein. Je me pose toujours des questions. Vous voyez, il m'arrive souvent de me dire, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire tel ou tel acte? Puis je me dis, oui, probablement qu'on l'aurait fait, mais ça n'aurait rien donné de plus. Souvent, j'utilise l'image suivante, c'est-à-dire on a fait énormément d'investigations dans cette affaire. Et toutes les fois qu'on ouvrait une porte, on avait deux ou trois portes derrière. On les ouvrait et à chaque fois, on avait deux ou trois portes derrière. C'était sans fin. Et je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas d'autres explications que celle qui a été trouvée et que de toute façon, on n'en aurait pas trouvé d'autres. C'est impossible. Je m'étais même dit à un moment, vous voyez, alors maintenant, les faits sont quand même relativement anciens puisqu'ils ont bientôt 30 ans, hein. Un jour, peut-être quelqu'un parlera, peut-être quelqu'un donnera des renseignements, peut-être quelqu'un, sentant venir sa mort, s'exprimera. Il n'y a rien eu. Depuis 2 ans, moi, je sens que ça frétille à nouveau, complètement. Et de tous côtés, je sens qu'il y a... On veut savoir, on veut comprendre. Moi, je crois toujours qu'on finira par découvrir la vérité. On y arrivera. Et même si la vérité n'est pas celle qu'on voudrait découvrir. Mais la vérité, c'est important pour tout le monde. Pour les victimes et les familles des victimes, certainement. Personnellement, moi, je veux absolument connaître la vérité. C'est peut-être ça qui me reste à faire dans ma vie.